leurs proches ne perdent pas espoir de les retrouver vivants. Depuis le vendredi 25 novembre 2022, Leslie Ourelbeck et son compagnon, Kevin Trompa, n'ont donné aucun signe de vie. Alors que l'enquête avance peu à peu, CST dans les colonnes du Parisien que Patrick, le père de la jeune femme a estimé, Leslie n'a pas pu disparaître volontairement, elle est peut-être séquestrée, retenue contre son gré, victime collatérale d'une situation qui lui échappe complètement. De son côté, la belle-mère de celle-ci, Émilie Cardré, a indiqué « Nous devons nous tenir prêts lorsque Leslie reviendra ». Avant leur disparition, le couple avait passé une soirée chez un ami chauffeur-livreur dans une maison située au centre-bourg de Praec. Comme le Parisien l'indique, le téléphone de Leslie a borné à Niort le samedi 26 novembre à la mi-journée, avant de s'éteindre définitivement. Peu avant sa disparition, Leslie Ourelbeck avait rendu visite à Jérémy, un trentenaire, père séparé et employé sur des chantiers. Une fois rentrée chez elle, elle aurait écrit à celui-ci « Je suis déjà sur Praec là. Tu me dis quand tu es dispo », avant de lui confier « Je bosse demain, si Esti repas tranquille ce soir, enfin pour moi en tout cas ». Émilie Cardré, nous voyons notre fille plutôt comme un dommage collatéral. Mardi 24 janvier 2023, dans les colonnes de Closer, le père et la belle-mère de Leslie Ourelbeck ont assuré qu'ils étaient persuadés que le couple était séquestré. Si elle ne nous donne pas de nouvelles, si est-il qu'elle ne peut pas nous en donner, a indiqué Émilie Cardré. Estimant qu'il pourrait s'agir d'un crime vénal, celle-ci a précisé, on n'est pas enquêteur, on ne peut pas réellement savoir, mais en tout cas, on est quasiment persuadé maintenant que tout part de cette soirée et le fait qu'il y ait cette somme d'argent, ça rapproche nos idées du crime qui serait plutôt vénal. Ça, il n'y a pas à en douter. Enfin, elle a ajouté, aujourd'hui, nous voyons notre fille plutôt comme un dommage collatéral, en fait. Et ça, ça fait peur.